Les nouveaux caractères. Les nouveaux caractères ou encore les caractères particuliers, ils sont au nombre de cinq. En les prenant de la gauche vers la droite, nous avons ce nouveau E pour signifier le son est de la langue française est, comme quand je dis les oiseaux, le lait, les plantains. Donc, ce nouveau E, c'est pour signifier ce son est. À la suite, nous avons ce nouveau caractère qui, visuellement, est un C à l'envers. Il désigne le son O. Le son O. Comme ce qui peut se ressentir dans les expressions fort, long, comme, rond. Donc, vous voyez, donc c'est toujours O, 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 O. Donc, ce nouveau caractère, c'est pour désigner ce son. À la suite du C à l'envers, nous avons le C. Le C désigne le son T. Comme quand je dis Tchad, le nom du pays Tchad, le Tchad. C désigne ce son. À la suite du C, nous avons le B implosif. Le B implosif, c'est le B qui peut se ressentir dans les termes bing, boum, bon, baillé. Donc, voilà des exemples de B implosif. À la suite du B implosif, nous avons un nouveau N. Ce N, n'est-ce pas, qui a un long pied, c'est pour désigner le son N. Le son qui se ressent dans la terminaison du terme long, long. La terminaison de long là. Ou encore la terminaison de parking, parking. Ce nouveau N, donc, c'est pour désigner ce son